Où est-ce qu'on doit aller là? Je sais même pas où on doit aller. Peut-être là-bas, non? Pas en face qu'il faut aller. Eh ben. Ah, c'est par là. La sortie était un peu plus loin. Yes. On se taille. Pourquoi notre petit pistolet? Ah oui, alors attends. On est de retour ici. Il y a un coffre qui est juste là. Et la clé à cisel, j'ai pas. Ah, mais c'est là où il était. Mère Miranda m'a donné un bocal de rose. Comme tout le monde est méchant avec moi, je pensais qu'on me le laisserait de côté. Mais Heisenberg a dit qu'on devait être tous là pour que la cérémonie ait lieu et que c'était pour ça qu'on avait tous un bout de rose. Maman avait l'air de s'en ficher par contre. Maman a dit que Rose était une enveloppe. Avec une enveloppe, elle va pouvoir récupérer sa vraie fille, même si elle est morte depuis longtemps. D'accord, on se sert de Rose qui a sûrement des pouvoirs pour récupérer la fille de Miranda. Je viens de comprendre. Mais si elle arrive, qu'est-ce que je vais devenir? Moi, je ne suis pas son vrai enfant. Est-ce qu'elle va m'abandonner? Non, je veux pas. Non, 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 non. Ok. Et il était un petit peu torturé, ce... Ah, super, la clé a... C'est la clé pour les ciselles. Il était vachement torturé. Comme personnage en fait. Ah! Bah dis donc. Je t'ai peut-être sous-estimé. Oh! C'est tout. Heisenberg! Oh, arrête. Ah, On s'est vu tout à j'adore. l'heure. J'aime trop, je veux Enfin. trop l'affronter lui. Ouais, t'es le dernier enfoiré sur ma route, c'est ça? Ah ouais, c'est le dernier. Tu es tenace, je dois l'admettre, Ethan. Mais que feras-tu une fois que tu auras les quatre bocaux? Où tu veux en venir? J'adore. Je pourrais te donner un coup de main. Essaie de m'amadouer. Ah, oh, j'adore. T'es pas trop le malin. Je te tuerais si tu n'en valais pas la peine. Ah, son mindset, il est incroyable. Pas très loin Une forteresse, ok. Vas-y et prends mon bocal. Fais ça. Ok. Et tu auras mon respect. On y va franco, Alors, mec. retourne au cimetière. Putain, c'est sûr qu'il nous a tendu des pièges là-bas. C'est obligé. Cadou. D'accord, ouais, c'est ça, c'est la fameuse. Bah, c'est la bestiole, quoi. Il est vivant. Bah, a priori, ouais. Tu veux le péter? Tu regarderas pas. Bon. Alors, c'est pas tout, mon grand Heisenberg. Mais je vais venir te chercher. J'arrive. Regarde, je suis en route, là. Hop là. Ok, la clé fœtus à ciselle. Par contre, j'ai toujours pas récupéré ça, là. Arme cachée de Moro. Comment on l'a, l'arme cachée de Moro? Bon, en vrai, on a pas mal de choses à récupérer. Labyrinthe, c'est... Je pense que c'est plus haut, le labyrinthe, parce que sinon, il serait pas là. Porte mécanique, c'est vrai qu'on va pouvoir ouvrir les portes mécaniques. Il reste encore un truc à trouver ici. Je me demande si c'est pas un truc brillant ou quoi, parce qu'on s'est déjà fait avoir plein de fois dans le château. Bah, il suffisait de dire. Il est là. Et c'est ça, putain. Ok, ensuite... Ah, il y a le coffre aussi. Eh, on va se dire qu'on a peut-être accès au coffre maintenant. Vous savez, le coffre qu'on les récupère à bateau, mais qu'on pouvait pas là, parce que vous pouvez pas passer. Est-ce que maintenant qu'on a descendu l'eau, est-ce que le coffre est dispo? Quelque part? En vrai. Le bateau, il était pas quelque part ici? Il me semble que si. Il me semblait que si, parce que là, il y a ça. Ah, d'ailleurs, il y a un truc là. Ok. On va peut-être remettre ça dans les raccourcis en haut. Grenade aveuglante. J'entends un... Une chèvre. Où est-ce qu'elle est? MDR, je la vois pas. Ah, elle est là. D'accord. Prends ça. Ah, il est là, là, le bateau. Let's go. Une statuette en bois. Un ange en argent. Waouh. Let's go. C'est tout ce qu'il a récupéré ici? Il me semble qu'il n'y avait que ça. Attends, il y a un poisson. Il y a un poisson dans l'eau là? Ah, mais oui, ils sont là. C'est important les poissons, ça fait de la bouffe. On va peut-être choper des trucs avec. Il y en avait un autre là.
Ah, il est là. Attends. Là. Je l'ai, c'est bon. Ah, il était là. C'est bon, ils sont tous morts? Ils sont tous morts. Let's go. Bon, mais ça, on a fait. Il y avait rien d'autre. Et après, on a les portes mécaniques. Du coup, on va pouvoir faire tout le retour en arrière et aller ouvrir les portes mécaniques. Parce que maintenant, on a la manivelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir les ouvrir un petit peu partout dans le village aussi. Et ça, c'est cool. Hop, on peut se barrer d'ici. On a fini la partie avec Moro. Même si on n'a pas son coffre. Mais peut-être que son coffre, c'est avec la manivelle qu'on l'a. On va vite voir. L'ascenseur, il était... derrière. Le fameux ascenseur. On peut se barrer. On se dit au revoir à Moro. Au revoir Moro. Avec cette partie. En fait, j'ai bien aimé. Il était dégueulasse, mais il était pas terrifiant comme avec la poupée ou quoi. Où là, vraiment, j'avais pas kiffé du tout. Là, ça allait, tu vois. C'était un monstre. Ça va. C'était gérable, je trouve. Le plus dur, c'était vraiment Beneviento. Et je pense que c'était l'épisode d'un jeu vidéo le plus dur que j'ai dû passer. C'était vraiment horrible, en vrai. Alors, ici, on a tout fouillé. Il manque juste la boule. Mais la boule, je l'ai pas non plus. De toute façon, on va faire la manivelle. On verra bien. Hop, de retour dans ce moulin. Ah bah t'as moi sauvegarder en plus, ça c'est cool. Et on va... Ah ça a sauvegardé en plus. On va remettre le gun genre là. Le labyrinthe. Où est-ce qu'il est le labyrinthe en vrai? Il est au fond ici. Ah mais il est là, ouais, il est juste là le labyrinthe. Ok, bon ça il faut la boule. La boule on l'a pas pour le moment. Et là, on a la manivelle. Hop, manivelle. Let's go. Ça va débloquer des trucs, ça, je pense. Putain, il est long à ouvrir sa porte. Yes. Allez, on y va. Il y a des petits corbeaux. Il y a deux chemins. On va à la droite. Une petite caisse. Un petit pont. Oula, attends. C'est pas prévu ça. Attends. C'est un peu chiant de viser avec cette sensi que j'ai là actuellement. Ouais, je l'ai eu lui. Ah, je t'avais pas eu toi. Tu veux pas te poser? Ah, t'es un peu loin. Hop là. Il est là. Ok, un de mort. Ok. Ah, il y en a un là, je l'ai pas vu. Ah non, c'est pas un monstre ça, putain. Bah... Mes frères, il s'est réveillé de je sais pas où lui. Tu fais quoi mon rey? Par contre ça a parlé d'un lance-grenade, est-ce que j'aurais pas oublié de choper un lance-grenade? Je sais pas. Ah il est là. C'est mort, c'est bon. Fluide chimique, nickel. Là, regarde lui là. C'était sûr. Allez hop là. Bah. Oula. Bah dis donc. Boum là. Balle dans la tête. Ok. Ces deux maisons sont vidées. Ah le coffre a l'air d'être à côté quand même. Il a l'air d'être par là. Après ça monte bien comme il faut partout là. Ah là il y a un truc. Des plantes. Là il y a une tyrolienne. Let's go. Bonjour. Hop là.
Calme-toi, frère. Alors, Mère Miranda m'a donné une montagne. Maintenant, je peux faire des tas d'expériences avec le Cadou. C'est mon laboratoire secret, rien qu'à moi. J'ai fait 3 expériences avec le Cadou aujourd'hui, mais le résultat était catastrophique. J'ai introduit le Cadou dans un cobaye et après, je lui ai injecté le sang de loup dans la colonne vertébrale avec une aiguille. Il s'était alors mis à gigoter dans tous les sens et a tué mon assistant. J'ai pas pu le retenir, je l'ai mis en cage. Maintenant, il faut que je lui donne à manger. Attends. Ah, il y a un loup. C'est ça l'histoire? J'ai entendu le loup. Je ne suis pas. Ah, mais là, le trésor, il est ici. Ah, mais il est là. J'ai même pas vu le coffre. Un magnum. That's a fucking magnum. Motherfucker. Ok, let's go. Alors attends. Oh, j'ai pas de place. Faut faire du tri là. Faut. Comme la dernière fois. Faut tout mettre comme il faut. Allez, ça part sur. Ok, let's go. Le magnum. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est ce qu'on aime. Je sais pas où il est. J'ai envie de le tirer dessus au magnum en plus. On va tenter. En fait, il disparaît dès que je sors. Attends. Ah, il est là. Ah oui. Ah oui. Ah oui, monsieur. Oh la vache. Oh, c'est méga violent. Ah oui, je dis oui en fait. C'est validé pour moi. Allez, donne-moi ça, toi. Oh bordel. Oh la violence. Oh, j'ai adoré ce gun. Il me manque plus que le lance-grenade et je pense qu'on est bien. Oh, un puits. Ça faisait longtemps qu'on n'ait pas creusé de puits. Et on a de quoi le faire, le puits. Let's go. Et du coup, on aura tout fait sur cette zone. Ah non, il manque juste ça, là. Étrange. Grenade aveuglante. Ah, c'est ça. C'est ça l'usine d'Heisenberg, du coup, logiquement. La logique est logique. Allez hop. On peut rentrer chez nous. Mais du coup ouais c'est ça. La tiro ça nous a amené là-bas. Mais du coup par contre... Ah il y a ça aussi. Ça c'est pour ouvrir la porte. Mais la boule je sais pas où elle est. Je l'ai pas trouvée encore. Il y a ça que j'ai pas fouillé là-bas au fond. On va peut-être y aller. Pour voir ce qu'il y a. Ah ben c'est ça, je reconnais. C'est dans ces trucs-là qu'il y a les boules. Ok. Bon, on a la boule. Et là, on peut rentrer. On peut aller faire la boule et on aura vraiment fini avec cette zone. Alors, du coup. La boule sirène, voilà. Alors, oula, ça va vite. Ok. Là, on va là. Ok, doucement. Il n'y a pas de trou pour le moment. Hop là, le petit moulin. Super, attention à l'atterrissage, doucement. Ok, c'est bon. Pas de piège, ça a l'air good. Allez, vas-y. Allez, mon coco. Super. Par là. Oula. Hop là. Non, reviens. Faut juste mettre un peu plus haut là. Voilà, comme ça. Pas de piège, s'il vous plaît, c'est bon. Là, je vois que dalle. Pratique au moins. Je sais pas où on va, mais on y va. Ah, ça y est, je la vois. Elle est là. Ensuite, on descend. Gauche, bas, droite. Et bas. Let's go. Il y avait juste un petit piège, ça va. C'est pas ce qu'il y avait de plus compliqué à faire. Et bien, c'est super ça. On a tout récupéré. Je pense que même là, il n'y a pas de truc manquant. En vrai de vrai, je pense qu'on a tout fait. On peut se barrer, on a cette porte là pour sortir du coup. La fameuse porte. On va déverrouiller. Parce que nous on était passé par l'échelle qui était là. Allez, on se casse. C'est banco. On retourne au village. On va se faire piéger parce que je pense qu'Azenberg a mis des trucs. Évidemment. C'est un gros psychopathe ce type. Par ici. This way. Après, tu sais, je connais les chemins, tu vois. Je suis pas débile.
Par contre, ça là, toujours pas. Hein. Arme du moulin à eau. Toujours pas cette porte. Hein. Je sens qu'on va se faire piéger. Ça me paraît tellement évident. Et là, on peut pas passer, putain. Ça m'angoisse un max de pas pouvoir récupérer ce trésor. Attendez, je vais prendre mon Deagle parce que je sens la connerie arriver. Donc, hop là. Par ici, papa. Enfoiré. Bah. Eh ! Bah voilà ! Attends, mais quoi ? Mais c'était fermé, ça, avant. Bah ouais. Bah let's go, en fait. Clé en fer forgé. Ouh. Ouh. Vrai bonhomme. Alors là, par contre. Là, par contre, c'est complexe. Là... Là, on a un vrai problème. Parce que le flingue, il fait la taille de ce truc-là. Sauf que du coup, bah ouais, là, pour le coup, j'ai vraiment, vraiment pas de place tout court, quoi. Il faudrait que je sacrifie un flingue. Ça pourrait être pas mal de vendre le flingue et de venir chercher le trésor. En vrai, ok. Un crochet. Oh, le crochet, ça faisait longtemps que j'en ai pas eu des crochets. J'espère juste que ça va rester ouvert si je vais sauvegarder en vrai. J'espère. Me fais pas le coup du trop ferme. Ah mais d'accord, il a. C'est des trucs qui étaient pas là quoi. Rose t'attend. Alors. Toi et moi. Balle dans la tête. J'ai tué ton frère, je suis désolé. Pas dans la tête. Hop là. J'en ai absolument rien à foutre. Interagir, ouais. Il y a un truc là. Oh, il y a des nouveaux des nouvelles choses sur la map. Attendez, il y a l'oiseau là aussi. Attendez, il est où l'oiseau? J'ai envie de buter l'oiseau, les gars. Attendez. Faut qu'on trouve. Photo d'un animal, ça c'est bon. Alors, la photo de ça. Donc, en gros, il y a le cimetière qui est devant. Donc, il est... Il fait face... Enfin, il est au cul du cimetière. Ouais, c'est ça. Le spectacle doit continuer, évidemment. Oh, il est là, ça y est, je l'ai vu. Alors, ça dit quoi, ça? Gibier juteux. Bah, faut que je fasse de la place. Alors, attendez, parce que le marchand, il est... Le marchand, il est... Putain, c'est compliqué, là, les bails. Le marchand, il est là. Du coup, faut aller voir le marchand, d'abord. Avant d'aller voir... Rose. Parce qu'on a trop de trucs à récupérer, là. Et il fait un peu plus soleil, d'ailleurs, sur la ville. Ça fait bizarre. On va poser le bocal, on va mettre tout ça. Allez, mec. C'est bon, quoi? Toutes mes excuses. Oui, on est là, t'inquiète. Alors, la bourse. Fragment de cristal, bête cristallisée. Ouah, 40 000 yeux de moreau, collier incomplet, âge en argent, crâne vert cristallisé. Ok. Ça vient de Lord Moreau? Ouais. C'est sans doute ce que l'on appelle la beauté du grotesque. C'est vraiment bizarre comme type. Alors, piaf complet. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Le corps robuste. Attends, non. Ouais, en gros, c'est réduit les dégâts subis, l'augmente la vie. Ah, ça, c'est bien, ça. Augmente grandement votre vie. Vous gardez 4 de volaille et 3 de viande. Et là, il y a du poisson et de la viande de qualité. Ça, je peux le faire. Réduit grandement les dégâts subis lorsque vous vous protégez. Ok. Donc ça, on peut le faire. Ouais. Nous avons tous Allez. Les ingrédients. Yes. Bien. Ah, c'est bon, il est en train de le faire. Je me dis, c'est bizarre que ça bug. Comme ça, on va pouvoir récupérer l'autre truc.
ça fait un bruit infâme en vrai. Désolé pour l'attente. Voici votre pas de soucis. Merci frère. Pas mauvais ok. Du tout. Donc, augmente votre vitesse de déplacement. J'ai pas le poisson raffiné, mais ok. Alors, du coup, ça, on peut aller le récupérer si maintenant qu'on a récupéré de la place, c'est ça? Ouais. Ça fera sûrement un bon repas. Donc là, on va récupérer le gibier juteux de l'oiseau qu'on vient de shooter là. Qui était donc là. Parfait. Avec ça, on va pouvoir augmenter la vie. Là, on se stuff un max. Hein. On donne tout. Par contre, j'ai toujours pas le lance-grenade. On en parle, mais... Ah, attends, on peut sauvegarder en plus. Jeter un coup on a toujours pas le lance-grenade. Je sais pas si on l'a loupé quelque part, mais c'est pas possible. Du coup, ça... Nous avons let's go. Tous les ingrédients. Yes. Bien. Maintenant, on va pouvoir baisser les ponts-levis aussi. Hein. C'est important. On va aller les faire. Let's go. Désolé pour l'attente. Voici votre super. Je n'aurais allez, jamais génial. Imaginé manger un ça, on peut pas. Ça, on peut pas. Ça, on peut pas non plus. Ok, bon, on est pas mal. Vous avez assez de puissance de feu. Ah. Si vous voulez, je peux encore améliorer vos armes. Ouais, t'inquiète. Déjà, on va te prendre des trucs comme ça. On te récupère un maximum d'armes et de munitions parce que c'est super important. Hop là, un autre 4-5. Ok, on va te prendre de l'huile. Autre chose ? Ouais, t'inquiète, ça arrive deux secondes, laisse-moi vite fait. Oula, c'est cher ! Oh, c'est cher sa mère ! Waouh ! Ah ouais, c'est pas donné, son bordel là. Alors, le Lémi, j'ai dit que je pense qu'on le vend. Hein. En vrai. Hein. Ah, j'ai pas vendu le fragment de cristal. Alors, le. Donc. Le Limi, j'en ai pour 20 000. Moi, je pense que je le vends. Ça, je peux peut-être le vendre, ça me sert à rien. Après, ça fait de la place. Hein. Je vais peut-être les enlever, ces trucs-là, parce que ça me prend beaucoup de place pour pas grand-chose. Et il me restait juste un truc à jeter, ça. On pourra les racheter, j'imagine de toute façon, ce truc-là. On peut parler d'un adieu aux... J'ai hâte de voir les fruits de votre exploration. Vas-y, donne, reviens. Allez-y, j'ai oublié de regarder. Pas acheter un œil. Donc ouais, je peux complètement racheter celui que j'ai revendu. Et je peux acheter aussi celui-là à 41 000. Ouais, d'accord, super cher. Quoi. Mais de toute façon, j'en ai plus besoin de ça. Ok. On va racheter du soin. Voilà. Parfait. On va mettre le bocal aussi, on l'a pas fait. On va mettre le petit bras. Ça fait 3 sur 4. Let's go. Du coup, on peut aller chercher le trésor ou pas là? Oui, on peut aller chercher le trésor, on a largement de la place. On va récupérer ce truc qui est peut-être un lance-grenade, je sais pas. J'ai pas fait attention à ce que c'était comme arme. Et je crois que du coup, on a vidé tout le village. Avec ça. Let's go. Ah ouais, c'est un lance-grenade. C'est clairement un lance-grenade. C'est juste que je l'avais pas avant celui-là. Ok. Bah écoutez, je crois qu'on a vraiment tout vidé. Il ne reste absolument plus rien dans ce village, à part cet endroit ici où il manquait un objet, mais comme on ne peut pas y réaccéder, bah, c'est tant pis. Par contre, on a, voilà, on a deux trucs ici ouverts. On a aussi le pont-levis à aller chercher là. Selon moi, il manque aussi ce coffre-là. Je ne sais pas comment on fait pour le trésor de la rive. J'en ai aucune idée, mais on doit aller chercher ce poisson. Ok, il reste quand même des trucs. Donc, déjà, ah, il y a une porte mécanique là. Ah bah t'es, on va y retourner en fait en bas. Ah mais c'est pour tuer une poule. En vrai, c'est bien si on peut faire de la viande et continuer à faire du stuff. Moi, je prends. Après, c'est juste à côté. C'est genre vraiment juste là, je crois. Pour le coup. Ouais, c'était là. Ça, on peut l'ouvrir du coup avec la manivelle qui est là. On va le tuer comme ça. Ouf.
Hop. Alors. Et deux. En plus, il y a une échelle. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un truc. Ça, on avait récupéré. Comment on a pu récupérer ça, d'ailleurs? Trop bizarre. Et là, on peut monter. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, mais c'est juste un chemin, quoi. C'est genre vraiment juste un petit chemin ridicule. Attends, mais à quoi ça sert de passer par là? Ah, il y a un coffre, là. Il y a un bug, là. Rubis sang de pigeon. T'es mort, toi? C'était pour ça, du coup. Ok. Et avec le rubis sang de pigeon, qu'est-ce qu'on fait? En vrai. Ça a l'air d'être un petit... On peut combiner... Ah, ça se combine avec ça! Oh, let's go. Mes frères. Objet de... Ah, c'est... Attends. C'est encore incomplet? Combinable. Avec quoi tu veux que je le combine maintenant, ce truc-là? Ah ouais, attends, ça se voit qu'il manque un truc genre ici derrière. Ok. Il manque encore un objet. Putain, c'est trop bien, je suis content qu'on avance comme ça. Par contre, si je l'avais pas vu, on passait à côté, vraiment. Maintenant, il y a le pont-levis, donc à gauche. On en fait des trucs, hein. Putain, j'avoue que le château, il est quand même vachement imposant. Il est trop stylé. C'était juste là. Hop. C'est pas si loin, finalement. Et là, on peut mettre la manivelle. Let's go. Je sais pas ce qu'on va aller chercher, mais on va aller chercher. Nice. Allez, c'est parti. Boum. Grenade explosive. Et on a un bateau. Attends, mais on va où là? Wesh, on va où là? Pont suspendu. Et il y a l'autre côté ici là. What? Mais c'est trop stylé! Mais c'est vraiment trop stylé en fait! What? Mais wesh! Mais tous les jours je veux ça chez moi en fait! On est où là? What? Je suis choqué! Hop là! Poisson raffiné! Ah, en fait, ça nous amène à des endroits où vraiment t'as des stuff très spécifiques. Hein. Oh, c'est cool! En vrai, c'est cool. Et là-bas, y'a quoi? Là-bas, y'a une grotte. Ok. Y'a pas de truc à récupérer entre temps là? Non? Oui, y'a une grotte. Je sais pas où on va. Apparemment, elle est fouillée donc. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? What the fuck? What the fuck? Pardon? Mais c'est quoi ça? Mais j'avais pas demandé tout ça à la base! Pièce antique. Poignée. Là. Par contre, ça m'a fait trop peur le bruit qu'il y a eu. Je sais pas ce que c'était, mais. Modifier arme. PTDR, je peux pas. Ah, si, c'est celui-là. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est quoi? Le séquençage de l'ADN est terminé et correspond 99-95% au mutamycète de Dulvé. La différence de 0,05% peut vraisemblablement être attribuée à des modifications artificielles. Il s'agit donc probablement de la souche d'origine. Nous devons enquêter sur la manière dont les connexions ont découvert et mis la main sur la moisissure. La colonie fongique s'est propagée partout dans le village, sous le village.
Si l'on prend en compte ce qui s'est passé chez les Baker, le Mutami 7 crée une sorte de réseau de conscience entre les individus qui l'infectent. Si ce réseau s'est développé à ce point, alors on peut peut-être les considérer comme une sorte de base de données. Mais dans ce cas, quelles sont les données que cherche Miranda? Ah, c'est les coffres de... du premier. En fait, c'est une sorte de clin d'œil à Resident Evil 7, c'est ça, non? Ça doit être ça. Merde. Jean, il est pas mort. C'est quoi cette merde? Ah, c'est quoi cette horreur? C'est butable, ça? What the fuck, frère? Il se passe des trucs bizarres ici, hein. Ah, je sais même pas si... Genre, est-ce que c'est un historique du jeu, ça? Mais moi, c'est mon problème. Je suis un putain de... J'explore tout, en fait. C'est mon problème. Du coup, bah ouais, bah forcément, j'allais passer par là à un moment donné, si c'était possible. Hop là. Allez, on se barre. On a tout fait. Bah, je suis content d'avoir trouvé cet endroit, écoutez. On va tous les faire. Il y a tout l'autre côté aussi à chercher. Après, on va peut-être faire un break. Le temps de vendre ou de faire de la bouffe maintenant que j'ai du poisson. Parce que là, en vrai, j'ai pas de place. Ah ouais, non, j'ai zéro place. Faut que je fasse un break. Déjà que j'ai jeté des munitions. Ce qui est pas ouf. On va aller voir le duc. Ah, vous tombez bien. Je commençais justement à m'ennuyer. C'est vrai? Il est toujours incomplet, ouais. Pièce antique, ça fait 8000. Objet de valeur. Pièce qui rappelle celle qui était chez les Baker. Ouais, c'est exactement ça. On va vendre. Déçu vraiment? Ça me paraît pourtant parfaitement honnête. Et ouais. Alors du coup, est-ce qu'on peut faire ce truc-là? Ah non, on peut pas avoir la vitesse. 5, 2 et 3. Ah ça, on peut faire. Effet permanent augmente votre vie. Après la vitesse de déplacement, bon vas-y on va faire ça déjà. Nous avons tous les ingrédients. Parce que là ça prend pas le truc un peu précieux qu'il y avait je crois. Allez cuisine, cuisine. Oh t'as fait du bruit putain. Ah c'est prêt. Tenez. Let's go. Manger. Hop, vie permanente. Pas mauvais du tout. Et là il faut juste du poisson en masse. Et là, il faut de la volaille en masse. Ok, c'est les deux seuls trucs qui manquent. En sachant que... découvrir les prochains ingrédients. En sachant que il y a du poisson qui traîne ici, là. Il y a du poisson là. Il y a toujours ça que j'ai pas fait. Je sais pas comment on y retourne. Et là, bah... Après, il y a le pont-levis. Donc, peut-être qu'avec le pont-levis... Bah, on va aller voir ça, t'as. Ça fait que j'ai quand même toujours pas de place, mais je peux pas grand chose. Et le crochet, je sais pas à quoi il va nous servir pour le moment. Après, on a les deux portes à droite aussi à aller fouiller. Ça fait beaucoup de trucs. On va aller sauvegarder un morceau. Un morceau. Un coup viteuf. Ah! Plaît-il? J'entends une petite chèvre. Il est dans le village le truc? Ça a sauvegardé. Ah il est là. Attendez, attendez deux secondes. Stop! On annule tout! Oh, il est fat, lui. Oh, alors, lui, il est fat, hein.
Alors lui, il est vraiment fat. D'accord. Une balle et on se casse. Cours ! Cours, ma couille ! C'est bien, c'est bien. J'espère qu'il a une grosse carcasse, comme ça je fais beaucoup d'argent sur son dos. Eh, viens ici, espèce d'enfoiré ! Il est ce bâtard. Je l'entends, mais je le vois pas. C'est pas lui devant là, ce truc ? Ah, si, c'est ça, regardez. Il arrive. Lance grenade. Et feu! Ouh là là! Ah oui, non, c'est. Ok. On va reprendre le petit Eagle là, si vous voulez bien. Après, je sais pas pourquoi il traîne là-bas. Parce qu'en soi, il protège quoi? Il protège rien, hein. Je sais pas pourquoi je me fais chier. Après, ça fait du fric, tu vas me dire. La maison de l'usage est déjà tout vidée. À part la partie que je peux pas. Hop là, c'est bon. Ok. Lance grenade. Il arrive. Il est là. Et feu! Viens. Attends, où est-ce qu'il est là? Il arrive. Viens. Oh, je l'ai tué. Non, il est pas mort. Il est pas mort en fait. Oh, il m'a pranké. Il m'a fait une Hydra TV, le gars. Au moins perdu de 3 ans. Au moins. Et ça, il est intuable. Grave, non. Meurs. Frérot, je t'ai mis 6 balles dans la tronche. Merci. Oh la vache. Bête ancienne. Frère. Enfin. Increvable machin. Increvable. Je viens à peine de choper mon lance-grenade, j'ai déjà plus de grenades. Putain, tout ça pour protéger rien du tout et pour me donner 30 000 pièces. Il y a une poule à buter là-bas, je vais la buter. Je récupère un peu de volaille. Là, vous êtes moins compliqué à tuer, vous, quand même. Hein. Dans l'ensemble. Après, si vous bougez vite, quand même. Hop là. Toi, t'es morte. Hop là. Et de la volaille. C'est très bien. Qu'est-ce qui reste ? Pas grand chose, on peut peut-être. Ah si, il faut aller faire la deuxième partie du bateau là-bas. C'est le seul truc qui manque. Alors, ah, combien ça vaut ta petite carcasse là? Dis-moi que ça vaut genre. 80 000! Mais oui! Mais venez quoi, venez! Envoie la moula! 80 000! Ça valait le coup de gaspiller autant de balles. Déçu vraiment? Ça me paraît pourtant parfaitement honnête. Comment ça, déçu? 80, c'est bien. Je suis très content, frère. Ça va me permettre d'améliorer un peu le Magnum, tu vois. Ça manque le Magnum. Une modification comme celle-ci ne prend pas. Cadence de tir. T'inquiète pas, mon frérot. On achète tout ce que t'as. Le fusil. Le fusil, on va prendre la puissance. La capacité. Et le rechargement. Super. Qu'est-ce qui manque? Ce fusil-là, on va pas trop le toucher. Il sert à rien. Et ce flingue-là, on va pas trop y toucher non plus. Je pense que le plus important. Ah, quoique le flingue en vrai, la puissance. En vrai, non. On va prendre le flingue. Bon, j'ai plus de pièces par contre. Ouf, je me suis vidé en pièces, ça, c'est un délire. Capacité. Allez, hop. On a plus d'argent. Mais. On a tout qui est maxé. Revenez quand vous voulez. Ouais, les 4, on reviendra quand on aura un peu plus de fric. Alors, du coup, le bateau. Le bateau. Ah, il y a un puits là. Une maison qu'on a déjà fouillée, mais ça c'est le château Dimitrescu. J'espère qu'on peut y retourner parce que si elle puise, c'est qu'il y a moyen d'y aller quand même. Faisons le bateau, on verra bien. Bon, j'aime bien qu'il fasse soleil. Vraiment, on est arrivé dans le village, c'était pas beau. Je crois qu'on se rapproche de la fin, peut-être un peu positif. On verra bien.
Déjà le set était terminé sur un happy ending de zinzin. Enfin, si on choisissait de sauver non, je crois que la mauvaise fin c'est si on sauvait Zoé et l'autre la nôtre. On passe par là. C'est quoi, on n'a pas fait. On arrive en bas du château Dimitrescu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux chemins, on a à droite et à gauche, donc effectivement on revient vers le puits, et ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a à droite? Bonjour! Ça a sauvegardé, j'aime pas ça. Prends le fusil à pompe dans les mains. Ok, il y a une animation pour ça? Ok, je reconnais ça, c'est les trucs de trésor de Dimitrescu. Donc c'est-à-dire qu'on a trois portes. Ah oui! Oh, ça déjà. Pour moi. Munition de fusil sniper. Miam. Bon, là, il y a une petite énigme. Ça va être simple. On tire là-dessus. Let's go. T'as ouvert ça là. Oh, des sous! Oh la vache! Oh, plein de sous! Donnez-moi de la moulaga. J'adore la moulaga. Hop, vas-y, remets-toi, aligne-toi et... Oh, let's go. Oh, là, s'il n'y a pas un ennemi, ben voilà. Hop là. Balle dans la tête. Ah. Hop là. J'adore mettre des balles dans la tête des gens. C'est ma passion. Et là. Ah, je crois que je viens de comprendre. Ok. Alors ils vont venir à l'infini. Mais en fait, il faut que je le crame pour qu'il allume le truc là-bas. Ah, c'est pas con. Alors viens ici, frère. Prends-toi ça et viens avec moi. Allez, viens, viens, viens. Viens ici. Viens ici, t'es stupide. Allez, fais un effort, mec. Voilà, c'est bien. Ah, pas dans la tête. Dimitrescu en or. Mission de Magnum. Et ça m'a l'air bon. Ah, c'était un trésor, du coup. Ok. Bah, en vrai, je prends. C'est bénef, on se casse d'ici. Merci pour les travaux. On va de l'autre côté maintenant. Ah, j'ai bien aimé le truc de... T'es obligé de garder un mort vivant, de l'enflammer. En vrai. Ah, un petit pont levis. Ah, franchement, si tu retiens pas tout ce que tu dois récupérer, c'est impossible. Ça, je pense que je le préfère au 7. Il y a tellement plus de stuff et tout. Beaucoup de recherches. Moi j'aime bien la recherche. Alors. Bonjour. C'est par là. Et. Le petit volant. Alors qu'est-ce que tu nous ramènes? Ah, une échelle. Je m'attendais pas à ça en fait, en réalité. Où est-ce qu'on va? On descend beaucoup là. Waouh. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? On est où là? Puis. Oh, c'est Tomb Raider les. C'est verrouillé de l'autre côté. Attends, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Pardon, je m'attendais tout sauf à un escape game en fait. Hein. Vraiment. Les chariots, c'est évident qu'il y a un truc à faire, sauf que je vois
pas du tout. Genre la mécanique en question. Genre... Ah, il peut grimper. Vraiment, c'est plus simple si je peux grimper. Bombe tuyau. Alors là, on a plein de boutons. Oh putain. Ça, je peux le pousser à nouveau. Ok. Qui fait que le truc est tombé. Je peux pas passer en travers en erreur. Ça va pas marcher en diagonale. Ah si, ça marche en diagonale. Mais vas-y frère, c'est pas logique aussi. Vous n'avez pas cette place. Yes, trop bien. Ok. Ah. Merde. Si on est descendu. Oh le rubis, c'est sûr que c'est pour le collier, ça y est. Collier combiné. Yes, ça y est, on l'a complété. Je pense. Ah non, il y a peut-être. Ah si, c'est bon, je pense. Yes, objet de grande valeur. Ah là, je suis content. Là, je suis content. Est-ce qu'on se retrouverait pas à la casa, putain? J'ai récupéré ce trésor que je savais pas comment on fait. Et bah, c'est bon. On a juste ces deux portes à ouvrir. Salut le Duc, je suis de retour. Avec beaucoup de sous, je crois que j'ai chopé bien 10 000. Puis-je choisir quelque chose pour vous? Ah, j'ai joué. 5 000 plutôt. Manger, c'est vivre. Ouais, manger, c'est vivre, je sais. Alors, je pense qu'on va vendre le fusil. Parce qu'en vrai, j'en ai deux. Comme ça verrait grand-chose. Ah, le collier de Dimitrescu, d'accord, c'est ça. Bon, c'est 70 000 en plus. Dépensons sans compter. D'accord. Rigole si tu veux, mais c'est pas drôle. Je pense qu'on va vendre le fusil. Donc, celui-là. Parce qu'on a déjà celui-là, du coup. On a la crosse améliorée. Je pense qu'on le vend, il fait beaucoup plus mal. Regarde, il fait 960, il fait 800. Et encore, il est pas au niveau max. Hein. Donc, je pense qu'on vend ça, ça fait de la place. Vous n'avez plus besoin de ça. Dans tous les cas, on pourra le racheter si besoin, mais vraiment, ça sert pas à grand chose. Ça nous libère un peu de place. Bah là, je pense que je vais juste aller chercher du poisson si j'en trouve et des moutons pour juste améliorer la bouffe si je trouve. Et après, on pourra aller voir Heisenberg. Après, il y a la clé en forfongée là. Je pense pas que ce soit Heisenberg ça. Ça, c'est pour aller chez lui. La clé fœtus à ciselle, c'est sûr que c'est pour aller à l'usine. Mais l'autre, par contre. Cache petite porte en fer forgé. Que caches-tu? Ah, tu caches des poules! Bah voilà! Il suffisait de demander quoi en fait. Des poules! Feu! Une boîte à volaille. C'est la seule? Comment ça c'est verrouillé depuis l'autre côté? Oh, poule! Poule! Hop là! Une chèvre. On va énerver Mère Miranda. Comme ça, on va bien mettre 6 ans à la buter. Oh, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est? Amas de cristaux. Il faut avoir l'œil quand même. Alors le Duc. Du moins que tu peux cuisiner. Ah, oh, vous tombez bien. Je commençais justement à m'ennuyer. Déjà, tiens, prends tes 3000. Là. Et fais-moi bouffer. Non, on peut pas. Ah si, 4 volailles et une viande. Ah, c'est ça. Let's go. Nous avons tous les ingrédients. Nickel. Bien. Allez, prépare-moi à manger. En vrai. Super. Toujours aussi un bordel, ton truc. Tenez, mangez. Merci. Et maintenant, il manque plus que. Imaginez manger un tel plat. Que deux dans poissons. Et on a le fait d'aller plus vite.
Il manque juste ça à trouver. Vous avez l'œil pour la qualité. Merci. La qualité, tu peux pas, mais en plus, il y a quelque chose pour vous. J'ai 30 scotas. Alors arrête de te vanter, s'il te plaît. D'ailleurs, tant qu'on est là, tiens. Je suis ah, mais on mon sniper. Mes mains qu'on pourrait trop utile. Voilà. J'arrive, Heisenberg. Heisenberg.